Sujet nombre SCP-73. K1. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-73 doit être maintenu dans une cellule de 2-2 pièces meublée uniquement avec des objets et du mobilier non organique ainsi qu'une salle de bain. Il est permis au sujet de se balader librement dans les installations et de manger à la cantine principale. Un appareil de localisation a été attaché à SCP-73 et ne doit pas être enlevé. Il est refusé au sujet d'avoir des contacts avec la surface ainsi que de quitter les installations. Le sujet n'a pas la permission d'avoir de contact avec des SCP de type plante, quelles que soient les circonstances. Ne pas utiliser la violence à l'encontre de SCP-73, quelles que soient les circonstances. SCP-73 est actuellement maintenu au site 17. Description : SCP-73 semble être un homme d'origine arabe ou du Moyen-Orient à la peau fortement bronzée et ayant la trentaine, mesurant 185,6 cm pied et pesant 75 kg 165 livres, avec des cheveux noirs et des yeux bleus. Les bras, jambes, colonnes vertébrales et omoplates du sujet semblent avoir été remplacés par des versions artificielles en métal de facture inconnue. Le sujet n'en prend conscience que quand on lui fait remarquer et déclare qu'il ne sait ni pourquoi, quand et comment ces remplacements furent effectués, ajoutant qu'il les possède depuis aussi loin qu'il s'en souvienne. Un symbole est gravé sur le front du sujet qui apparaît être d'origine sumérienne. Le symbole n'est pas traduit à ce jour et le sujet semble être affligé quand le symbole est mentionné, refusant d'en parler. Le sujet n'a pas besoin de manger et de boire de façon régulière, mais est strictement carnivore dû à ses effets sur les plantes. SCP-73, qui se présente comme K1, est en général poli et cordial avec ceux qui lui parlent, bien qu'il soit décrit comme étant froid et quelque peu mécanique dans son discours. Il est très serviable et apprécie d'aider le personnel pendant leur travail quotidien, quoi que cela puisse être. Il possède une connaissance détaillée d'événements historiques anciens et récents et des langues les plus couramment parlées dans le monde, y compris celles ayant disparu. Le sujet a affirmé avoir une mémoire photographique, se rappelant mot pour mot de tous les textes d'un dictionnaire de 800 pages qu'il a parcouru en 1 minute 30. Il a dépassé la moyenne dans tous les tests d'intelligence qui lui ont été donnés. La présence de SCP-73 est hostile à toute forme de vie ayant poussé en terre, causant la mort de ces formes de vie dans un rayon de 20-20 mètres. Tous les sols ayant été foulés par SCP-73 sont devenus stériles en l'espace de 2-2 semaines et sont incapables de façon permanente de donner la vie. Tous les dérivés de produits qui ont poussé en terre, tels que le bois et le papier, pourrissent et se désagrègent immédiatement au toucher de SCP-73. D'autres produits concernés comprennent tout ce qui a poussé de façon hydroponique. Toute violence dirigée à l'encontre de SCP-73 renvoie les dommages qui lui sont infligés directement vers l'agresseur, bien que SCP-73 reste visiblement indemne. Ceci s'applique à tout dommage dirigé vers SCP-73, les tentatives d'obtention d'échantillons de peau et de sang se sont révélées inutiles, quand la procédure fut amorcée, le membre du personnel réalisant l'opération ressentit tout ce qui était pratiqué à SCP-73 et a fini avec un échantillon de sa propre peau ou de son propre sang, malgré le fait que toute l'opération était uniquement dirigée vers SCP-73. Tout dommage indirect par le biais de matériels a aussi eu pour conséquence que la personne commettant l'action reçoive les blessures produites. Bien que SCP-73 ne reçoit aucun véritable dommage des traumatismes lui étant destinés, il a affirmé qu'il ressent quand même la douleur et a poliment invité les chercheurs de s'abstenir de causer des actes trop nuisibles envers. Note additionnelle, SCP-73 fut découvert au New York Police Department en 19, ayant été emmené là-bas après avoir été retrouvé au milieu des corps de plusieurs membres d'un gang violent. SCP-73 raconta à la police que le gang avait essayé de se moquer de lui, puis s'était énervé et avait tenté de le tuer, aboutissant à leur propre fin. SCP-73 fut incarcéré et considéré comme un John Doe quand le NIP ne put trouver aucune information le concernant. SCP-73 fut porté à l'attention de la Fondation grâce à une routine d'inspection des John Doe et par conséquent remis à nos soins.
Addendum 73 à 1. À la lumière de sa nature indestructible, sa mémoire photographique et de sa bonne volonté, le Haut Commandement a estimé que toute information doit être sauvegardée par SCP-73, assurant ainsi qu'elle ne soit pas perdue dans l'éventualité d'une catastrophe. Alors que cette proposition a reçu des avis mitigés, SCP-73 a convenu pour sa part de garder le secret. Addendum 73 à 2, lorsque des informations concernant SCP-76 furent portées à l'attention de SCP-73 pour sauvegarde, le sujet a montré un caractère familier avec ces informations, bien que peu enclin à les retenir, malgré le fait qu'il ait déclaré déjà tout connaître à propos de SCP-76, il a ensuite affirmé qu'il serait préférable pour tous les groupes impliqués qu'ils ne rencontrent pas SCP-76. No.